Au détour, Jésus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous. Xavier Sartre avec vous en direct depuis la place Saint-Pierre pour l'Angélus du pape François en cette solennité des saints Pierre et Paul, saint patron de l'Église catholique et également de la ville de Rome. C'est d'ailleurs aujourd'hui un jour férié dans la capitale italienne. Dans quelques minutes, le pape François apparaîtra à la fenêtre des appartements du palais apostolique pour une catéchèse sur cette solennité avant de réciter la prière de l'Angélus. Ce matin, en la basilique Saint-Pierre, en présence d'une délégation du patriarcat œcuménique de Constantinople, le pape François a célébré la messe pour cette solennité au cours de laquelle, comme le veut la tradition, il a béni les palliums qui seront ensuite remis par les nonces apostoliques aux nouveaux archevêques métropolitains nommés au cours de l'année passée, au cours des 12 précédents mois. Le pape François, dans son homilie, a notamment rappelé que l'image des saints Pierre et Paul qui ont été libérés, bien qu'il fallait aussi, nous aussi, nous libérer d'un certain nombre de chaînes. Une homélie qui s'adressait bien évidemment à ces nouveaux archevêques, mais également à l'ensemble des fidèles. Quelques milliers de fidèles se sont retrouvés place Saint-Pierre. Il fait chaud à Rome aujourd'hui, depuis quelques jours. Malgré cela, les pèlerins ont bravé la chaleur pour venir rencontrer le pape François qui, d'ici maintenant, 1 minute 30 à peu près, devrait apparaître à la fenêtre. 31 degrés, actuellement place Saint-Pierre, sous un ciel légèrement voilé. Des pèlerins venus de plusieurs pays, on a aperçu des drapeaux italiens bien évidemment, mais également slovaques, polonais, des laïcs, mais également, comme vous le voyez, des religieux venus pour cette solennité des saints Pierre et Paul, les saints patrons de l'Église catholique. Et comme tous les ans à cette date-là, une délégation du patriarcat œcuménique de Constantinople est présente. Le représentant du patriarche Bartholomée a accompagné le pape à l'issue de la messe, à la confession de Saint-Pierre, la tombe de Saint-Pierre, pour se recueillir quelques instants en prière, avant d'aller prier également devant la statue qui se trouve à la fin de la nef de la basilique. Voilà, les rideaux s'ouvrent et le pape François fait son apparition. Cari fratelli e sorelle. Chers frères et sœurs, bonjour. Al centro del Vangelo della liturgia d'oggi, Au cœur de l'évangile de la Signore liturgie d'aujourd'hui, pone ai discepoli le una Seigneur domanda pose aux disciples une decisiva. question décisive. Voi, chi dite Et vous, io que sia? dites-vous? Pour vous, qui suis-je? È l'interrogativo cruciale C'est la che Gesù question ti cruciale que pone Jésus loro nous répète oggi. aujourd'hui. Chi sono io per te? Pour vous, qui suis-je? Chi sono io per te? Qui suis-je Che hai pour vous? accolto la fede, Qui avait accepté la foi, ma hai ancora paura a prendere il mais largo qui avait della encore mia peur de parola? mettre le pied sur ma parole? Chi sono io per te? Qui suis-je pour Che toi, sei cristiano qui es da tanto chrétien depuis tempo, si ma longtemps, mais qui, logorato dall'abitudine, usé par hai l'habitude, smarrito il a primo perdu ton premier amore? amour? Chi sono io per te? Qui suis-je Chi pour vous vivi qui un traversez une momento période difficile difficile e hai et avez bisogno di besoin de vous secouer scuoterti pour per repartir à zéro? ripartire?
Jésus demande, pour vous qui suis-je? Donnons-lui aujourd'hui une réponse qui vienne du cœur, nous tous. Donnons-lui une réponse qui vienne du cœur. Mais avant cette question, Jésus en a posé une autre aux disciples. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Il s'agissait d'un sondage pour enregistrer les opinions sur lui et la notoriété dont il jouissait. Mais la notoriété n'intéresse pas Jésus. Ce n'est pas un sondage de ce type. Alors pourquoi a-t-il posé cette question? Pour souligner une différence, qui est la différence fondamentale dans la vie chrétienne. Il y a ceux qui s'en tiennent à la première question, aux opinions, et qui parlent de Jésus. Et il y a ceux qui, au contraire, parlent à Jésus, lui apportant la vie, entrant dans une relation avec lui, faisant le passage décisif. Voilà ce qui intéresse le Seigneur. Être au centre de nos pensées, devenir le point de référence de nos affections, être en quelques mots l'amour de notre vie. Non pas les opinions qu'on peut avoir sur lui. Ça ne l'intéresse pas. C'est plutôt de savoir si lui, il est dans notre cœur qui l'intéresse. Les saints que nous célébrons aujourd'hui ont fait ce passage et sont devenus des témoins. Passaggio dell'opinione a avere Gesù nel cuore, testimoni. Non sono stati ammiratori, ma ils n'étaient pas des admirateurs, mais des imitateurs de Jésus. Ils n'étaient pas des spectateurs, mais des protagonistes de l'Évangile. Ils ne croyaient pas aux mots, mais aux actes. Pierre n'a pas parlé de mission, il était un pêcheur d'hommes. Il a vécu la mission. Paul n'a pas écrit de livres savants, mais a vécu des lettres en voyageant et en témoignant. Tous deux ont passé leur vie pour le Seigneur et pour leurs frères. Et ils nous provoquent. Parce que nous courons le risque de rester à la première question, de donner des opinions et des points de vue, d'avoir de grandes idées et de dire de belles paroles, mais de ne jamais nous mettre en jeu. Et Jésus veut que nous nous mettions en jeu. Combien de fois, par exemple, disons-nous que nous aimerions une église plus fidèle à l'Évangile, plus proche des gens, plus prophétique et missionnaire? Mais ensuite, dans la pratique, nous ne faisons rien. Il est triste de constater que beaucoup parlent, commentent et débattent, mais que peu témoignent. Les témoins ne se perdent pas en paroles, mais portent du fruit. Les témoins ne se plaignent pas des autres et du monde, mais commencent par eux-mêmes. Ils nous rappellent que Dieu ne doit pas être démontré, mais montré par son propre témoignage, non pas annoncé par des proclamations, mais témoigné par l'exemple. Ça s'appelle mettre sa vie en jeu. Cependant, si l'on regarde la vie de Pierre et de Paul, une objection peut être soulevée. Ils ont été tous les deux des témoins, mais pas toujours exemplaires. Ils ont été pécheurs. Pierre a renié Jésus et Paul a persécuté les chrétiens. Mais, et c'est là la chose la plus importante, ils ont également été témoins de leurs échecs. Saint Pierre, par exemple, aurait pu dire aux évangélistes, n'écrivez pas les erreurs que j'ai commises. Au lieu de cela, non. Son histoire sort nue, toute nuée, brute des évangiles avec toutes ses misères. Il en va de même pour saint Paul qui, dans ses lettres, raconte ses erreurs et ses faiblesses. C'est là que commence le témoignage, de la vérité sur soi-même, de la lutte contre sa propre duplicité, sa fausseté.
Le Seigneur peut faire de grandes choses à travers nous lorsque nous ne prenons pas soin de défendre notre propre image, mais que nous sommes transparents avec lui et avec les autres. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, le Seigneur nous interroge. Sa question pour vous, qui suis-je, est toujours la même et creuse profondément en nous. Par l'intermédiaire de ses témoins Pierre et Paul, il nous incite à laisser tomber nos masques, à renoncer aux demi-mesures, aux excuses qui nous rendent tièdes et médiocres. Que Notre-Dame, Reine des Apôtres, nous aide en cela, puisse-t-elle faire entendre en nous le désir de témoigner de Jésus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. E verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni officiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu, an questum Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fideribus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle. Chers frères et sœurs, après-demain, jeudi 1er juillet, aura lieu ici au Vatican une journée spéciale de prière et de réflexion pour le Liban. En présence de tous les chefs religieux du pays des Cèdres, nous réfléchirons à cette phrase. Seigneur a des projets de paix pour nous. Tout cela pour aider le Liban à se relever. À se relever donc de la crise qui l'afflige et montrer au monde son visage de paix et de prospérité. Jeudi 1er juillet, ce sera également le 160e anniversaire de l'Osservatore Romano, le journal du parti, comme je l'appelle moi. Poursuivez votre travail avec fidélité et créativité. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, 70e anniversaire. Le pape Benoît était ordonné prêtre. Un anniversaire qui nous touche tous au cœur.
À toi, Benoît. Toi, cher Père et Frère, à toi notre affection et notre gratitude et notre proximité. Lui, il vit dans le monastère, dans un lieu dédié pour les communautés contemplatives ici au Vatican, pour qu'il puisse prier pour l'Église. Actuellement, c'est lui, le contemplatif du Vatican, qui passe sa vie à prier pour l'Église et pour le diocèse de Rome, dont il est l'évêque émérite. Merci Benoît, cher frère et père, merci pour ton témoignage incroyable, pour ton regard continuellement dirigé vers l'horizon de Dieu. Merci. Je vous salue tous de tout mon cœur, pèlerins venant de différents pays. Je m'adresse tout particulièrement aujourd'hui aux Romains, en cette fête de nos saints patrons. Je vous bénis, chers Romains. Je souhaite tout le bien à la ville de Rome. Et que grâce à l'engagement de tous, soit vive. Gli anziani siano curati, che ci sia lavoro e che ci sia dignitoso, che i poveri, gli ultimi, siano al centro dei progetti politici e sociali. Prego per questo e anche voi, carissimi fedeli di Roma, pregate per il vostro vescovo. Grazie. Ah, donc le pape qui souhaite que dans la ville de Rome tout le monde s'engage pour que personne ne soit exclu, pour que tous aient du travail et que l'attention aux plus pauvres soit au centre de l'action politique. Le pape qui prie donc pour les Romains et qui demande aux chrétiens, aux Romains, de prier également pour leur évêque. Voilà, c'était l'Angélus du pape François en cette solennité des saints Pierre et Paul, en direct depuis la place Saint-Pierre. Pape qui a rappelé l'important rendez-vous après-demain ici même au Vatican avec tous les chefs religieux du Liban pour essayer de trouver des solutions de sortie de crise de ce pays. Et le pape qui a rendu hommage à son prédécesseur Benoît XVI, dont on célèbre aujourd'hui le 70e anniversaire de l'ordination sacerdotale. Voilà, c'était Xavier Sartre avec vous en direct pour cet Angélus. Merci de votre fidélité, très bonne journée à toutes et à tous. L'information continue sur notre site internet www.vaticannews.va ainsi que sur notre page Facebook et notre compte Twitter. Laudetur Jesus Christus.